Qui la reconnaît celle-là? Vous avez vu comment elle est devenue? Tu vois comment elle est devenue? La bassie, elle a enflé. Je lui ai dit ça ici. La bassie, comment elle a enflé? Elle a enflé. Vous jouez l'onction d'un maréchal. Vous jouez ça. Je vous ai dit cette année. Elle était comme ça qu'elle partait. Hein? Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle est sorcière. Non, avant qu'elle est venue ici. Elle a dit qu'elle n'a pas sorcière. Elle a dit quoi? Elle n'a pas chassé. Hein? Oui. Mais pourquoi elle est revenue? Elle a dit qu'elle est sorcière. Maintenant. Hein? Que tu es blé? Tu es sorcière maintenant. Demande-lui, tu es sorcière maintenant. Demande-lui. Depuis quand tu es devenue sorcière? On veut te soigner. Tu as la sorcellerie. Tu dis non, tu n'as pas ça. Viens, madame, viens. La vient. Tu étais assise là. Voyez la voici. Tu n'es pas délivrée. On acclame le Seigneur pour la dame. Voyez celle-là qui allait prendre dragon pour élever. Dragon boit le sang. Comme Bissap. Ça boit Bissap. Ça boit du vin. La voici, elle est délivrée. Elle est assise parmi nous. Voyez, nous, quand tu es sorcier ici, là, tu ne t'assois pas parmi les gens. On n'est pas comme ça. Quand tu es sorcier, va être ta place ici. Tu as ici ta place. Vas-y, pour pas un sorcier, va s'asseoir près de toi. Pendant que tu loues ton Seigneur, il veut te manger. Avec un kéké. Te briser, te manger un kéké. Ça va maintenant? La voici là. La voici là. Elle est bien. On a prié pour elle. La voici là. De la même période, tu la reconnais? De la même période là, elle était là. C'est pas où moi elle est venue là. La voici, elle est délivrée. La dame est délivrée. Plus de problème. Elle était guérie. Spirituellement, elle est délivrée. Sa santé guérie. Elle est ici. Toi, tu dis, on dit parle. Tu dis non. Parle, tu discutes un mot. Je lui dis va. Je t'ai pas dit ça. J'ai dit, tu vas tomber malade, tu vas venir. Il t'a pas dit ça. Ah, tu dis coin. Tu dis coin. Elle est en train de mourir. Regarde comment tu t'enflais. C'est Dieu où jouer. Où jouer Dieu. Je t'ai dit, on t'a chassé. Tu dis non. Tu n'es pas sorcier. Il dit moi. Ça ne m'a jamais manqué. Ça m'a jamais menti. Tu vois, moi, je me suis levé le matin comme pour être prophète. Je suis intellectuel, je suis allé à l'école, je peux travailler. C'est Dieu qui s'est révélé à moi. Il m'a dit, je te donne un don pour délivrer les gens. Donc, moi, j'étais musulman, je n'étais pas chrétien. Et quand il dit telle personne est sorcière, ça ne m'a jamais trompé. Viens, on te délivrer, tu dis non. Tu as mangé viande de l'homme. C'est pas ce qu'il y a dans ton ventre là. C'est pas toi qui demande. Hein? Elle dit quoi? Elle dit quoi? J'ai dit quoi? Quoi? Je t'ai dit, tu es sorcier, tu dis, ma sorcière. Qu'est-ce que la petite? Une petite fille qui va te lutter, mais viens dans ta bouche. Toi, elle c'est la petite, m'a lutté. J'ai dit, pardon. J'ai demandé à la petite du moins ensemble. Que c'est pas elle qui l'a initié, mais la vieille et la petite mariée ensemble. La petite elle est à l'orphelinat là-bas, n'est-ce pas? Je l'ai récupérée à l'orphelinat, je suis en train de l'aider. Elle, orphelinat, elle a marié son papa. Bon. Elle a marié son papa, sauce, arachide. Elle d'abouille et tout. Bon, j'ai prié, le Seigneur l'a délivré. Elle a l'orphelinat, on attend de s'occuper de son éducation. Demain sera grand, demain. Voilà. Maintenant, toi, je suis venu à toi, il dit, j'ai ce qu'elle dit, non, c'est viande. Elle sait que c'est vient de l'homme. Il dit, mais comment tu sais que c'est vient de l'homme? Elle est dormée, puis la petite l'a lutté, main dans sa bouche. Je lui ai dit, il faut laisser ça. Il y a des gens à qui tu peux mentir. Ceux-là, ils sont là, tu peux les mentir. Pas moi. Moi, je suis prophète. Elle dit, je mens. Je dis, bon. Bougou, viens ici. Lève-toi, allez, lève-toi.
tu ne peux pas comprendre. Elle n'est jamais n'est pas sorcière. Je t'envoie, il t'a bien dit. Si tu t'en vas, tu vas tomber malade. Il t'a pas dit ça ici. Tu vas t'enfler. Tu remets ta tête. Mais voici, hein. C'est le prophète Crasso, mais voici. Je sais où je suis quitté. Je sais. Je connais mon appel. Je connais rien de voici ici. On est Michelin. Voyez ça. Elle est enflée. Regarde comment elle est venue. Eh, il ne faut pas monter trop. La voici. Maintenant, tu es sorcière, tu es venu maintenant. Demande-lui. Tu as vu, toi. Ah, tu dis, hein, tu as vu. Tu te lèves matin, si on dit que tu es sorcière, tu t'en vas. Non, c'est pas ça, c'est à cause de mon petit. On a quand vous désignez sorcier, partez. Je vais envoyer les missiles, elles sortent sur vous. Vous allez courir pour revenir ici. C'est ta fille qui m'a demandé pardon. Elle dit non, j'ai vu que ma maman, elle est sorcière, tu l'as désignée, vous la délivrez, mais elle est partie à Abidjan. Je lui ai dit, il faut la laisser là-bas. Elle va marcher sur son genou pour venir. Tu es revenu. Vous avez des enfants, laissez-les vivre leur vie. Vous êtes sur eux, vous chiez sur eux, vous les gâtez. On veut vous aider. En même temps, vous et vos enfants, vous ne voulez pas. Vous avez vu ça? Voilà, voici ici. Ça fait plus de 3 semaines, elle est partie. Hein. Tu veux quoi maintenant? C'est la génie cadavre. Non, elle n'a pas guéri. Pardon quoi? Pardon quoi? C'est dans ta bouche, ça soit pardon. C'est là que je me demande pardon. Pardon comment? Si Sarah, elle n'était pas malade, elle allait venir ici. Tout le monde ce que j'ai dit. Attends, je te demande. Si Sarah n'était pas tombée malade, elle allait venir. C'est moi qui l'ai demandé, c'est moi qui l'ai donné la maladie là. Non, qui a fait ça? C'est Dieu. Tout ce que tu fais sur la terre, tu payes. C'est qu'un homme aura semé le moissonneur. Si elle était innocente, elle n'allait jamais avoir ça. C'est parce qu'elle est coupable, elle a fait quelque chose qu'elle paye. Bon, moi, Dieu l'a frappé. Il a quand même venu à l'église par là. Maintenant, si Dieu me gifle, elle a parlé à Dieu. Moi, il a quand même les séparer. Il a quand même les séparer. Tu me donnes pardon. C'est lui qui t'a frappé là, vous demandez pardon. C'est lui. Toi, tu lui lances des filles. Toi, t'es qui? Une pauvre sorcière. C'est toi qui as lancé des filles. Un ou un pâle. Et c'est toi qui discutes pour dire c'est faux. Alors, je t'ai laissé partir. Maintenant, tu reviens. Hein? Il y en a pas bon. Tu es sorcier. Ah, tu dis. Tu es sorcier. Comment tu es sorcier? Tu la reconnais? C'est qui dit qu'elle n'est pas sorcière, elle est partie là. Elle est fâchée, elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle a suivi sa fille. Elle est sauvée. Comment on la met trop? Elle n'est pas sorcière, on veut qu'elle reconnaît forcée. Vous lui dites ce que j'en ai dit là. Ça a bougé là. Hein? Ça a bougé. Aujourd'hui là. Eh mais quoi? Tu es sorcière? Qui t'a donné? Qui t'a donné? Mets-toi comme ça, rien d'ici, là-bas. Qui t'a donné? Satan. Avant que tu viennes, ou est-ce après que tu es quitté ici, la dernière sorcière? Demande-lui. Non, demande-lui, ne rien pas, demande-lui. C'est quand tu es quitté ici, tu as tant de venir te donner. C'est quoi? Maintenant, pourquoi il te dit que tu es sorcier et tu dis non? Elle dit c'est pour moi qui est bon. Donc, c'est ce que tu voulais. Attends, ouais. C'est ça là que tu voulais. C'est ça là que tu voulais. T'enfler. Yeah, comment t'en fais? C'est ça que tu voulais? Demande-lui. Donc, il a un matériel, c'est au lancabre, à Kaoulouni, au bout.
Mais comprends bien, elle dit que c'est pas elle qui a un problème, c'est qui? Mon année, on va y abonner. Gou, qui passe ça? Qui fait ça? Gou là, c'est où? C'est ailleurs, mais c'est en toi. Elle dit que c'est la sorcellerie qui a un problème, sinon elle n'a pas de problème. C'est pour ça qu'on entend de parler. Et puis ça fait que tu parles mal. Au lieu de t'humilier, tu es orgueilleuse. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Elle a fait quoi? Quoi ça, non? Là, je suis là. Vous êtes ça, non? Tu as mangé qui? Oh mon Dieu. Oh, elle s'en est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle demande si elle te dit le nom des sauces. C'est qu'elle a mangé. Il y a la viande qui est restée dans ton ventre. Ça ne quitte pas depuis là, c'est bien l'équipe. On a un palan dit là. Ah bien, on a dit là, on a dit là, on a dit là, on a dit là. On a dit que. Ta petite soeur. Parle. Elle dit que sa petite soeur est sa petite soeur. Oui, c'est elle qui t'a mangé tout récemment. Tu as mangé. C'est sa viande qui est restée dedans. Ah, tu sais pas tous les mois on mange. Pourquoi tu l'as mangé? On s'en a un mot aujourd'hui. Hein? Elle n'a rien fait, puis tu la manges. Tu la manges. Il n'y a pas poulet. Pourquoi n'y a pas de zado? Pourquoi n'y a pas de zado? Il n'y a pas de marché. Non, mais il y a un manioc. Allez, vous. Bon, donc, voyez ça. L'homme là, il doit pas manger son camarade, son ami. Toi, tu as mangé, voyez ça. Maintenant, tu fais un dégât, tu viens, quand on te soigne, tu veux pas reconnaître. Voici ce que. Comment tu as enflé. Toi, tu es en train de mourir. Moi, je vous ai dit ça ici. J'ai lu 2017 dans lequel on est rentré là. C'est pas l'amusement. Vous avez vu? Ça vous est pas répondu. C'est la même, elle voulait partir. Tu es parti à Abidjan. Puis tu es revenu. Pour discuter. Je parlais de poser. Tu as bien fait de venir. Moi, je ne joue pas. Hein. Je le mets devant ma porte ici, puis je baisse l'huile, puis je parle sur vous. Chez vous, à la maison, ça vous prend. Vous êtes sorti, on va vous délivrer. Vous voulez manger, vous voulez manger les gens. Hein? Vous faites quoi? Quel enfant? Bon, ton petit-fils et toi, toi, tu as la sorcellerie. Monsieur, vous êtes sorcier. On dit prophète, je ne suis pas ton monsieur. Il ne faut pas avoir un bon langage ici. Hein. Sinon, je n'ai pas prêt, je te dégage d'ici, tu vas. Voilà. Tu vas aller ailleurs pour faire des choses. Tu es sorcier. Levez-vous, monsieur. Et vous, la soeur vous a donné quelqu'un, tu suis le manger en 2 minutes. Chacun prend terre, cerveau, cuisse. Actuellement, vous êtes en carême. Sorcier. Personne ne mange actuellement. Vous êtes en jeûne. Si on a mis quelqu'un ici, vous allez manger. C'est la même, c'est la grande mangeuse. Adro. Elle n'a pas d'or. Attends, c'est Josie, elle n'a pas d'or ici. Là, voici la sorcière. Vas-y, c'est là. Canari, là, c'est là. Pour parler français, pour parler français, sorcellerie. Mais non, t'as pas le français. Non. Mais tu sais partir en France, gâter les gens. Faut lui demander un tof là, Osei. Un tof là. Les Français ont fait un France. Toi, t'as fait un tof là. C'est petit balai. Tu t'assois là-dessus, un tof là. Tu t'en vas. Elle dit quoi, sa fille? Le canari, on fait comment? On a une idée. Hein? On s'est bien. Il y a qu'un neveu. Avec le dragon, tout ça là. Okay. La semaine prochaine, il y a un neveu. S'il y a un neveu, sous la terre, toi tu vas sous la terre. Voilà. Sur le canari qui est sous la terre, toi tu prends la plante du canari. Il faut lui dire que c'est ma spécialité de tirer canari. Moi, je déteste ça. Maman, on a comment vous dire ça? Mon canari, vous pouvez le.
Bon, bravo. Mais pour l'appeler les sorciers, madame, pourquoi l'appeler là-bas? Pourquoi l'appeler là-bas? On a même le pied quand on a noir. Puis le quand on a noir. Tu dis que tu n'aimes pas les prophètes. Pourquoi? Ça, tu es enfant du diable. Parce que j'avais honte. Non, non, non. Tu n'as pas fait de honte. Non, enfant de Dieu, toi, tu es enfant du diable. Toi, tu n'aimes pas enfant de Dieu. Tu n'aimes pas des choses. Maintenant, voici le prophète. Qui tu n'aimes pas, le voici. C'est Dieu qui va pousser. Bon. Donc, tu vas durer ici. Là, comme ça, tu vas bien connaître ta fête des prophètes avant d'être délivré. Ça va? Prophète. Tu te souviens maintenant? Prophète. Comment? Oui, mais dis, tu es jeune, tu as grandi, toi tu es dans la société à faire des vieux. Là. Tu as gâté la vie de qui? Gâté la vie de mon papa et de sa femme et de ma petite soeur. C'est tout. Tes ongles, tout ça, tu n'as pas touché. Si, je l'ai touché. Mais c'est ce qu'il lui a dit. Tu as fait quoi et quoi? Il dit, j'ai gâté. C'est un endroit très sûr pour être délivré. Nous, là, quand tu es sorcier, bon, c'est pas un choc. Au contraire, on veut te débarrasser de ce démon-là pour que tu sois utile à ta famille. J'ai gâté la vie de mon très cher père. Ah, cher père. Ses affaires, son argent. Et son français, pas. Il dit très cher père. Son argent. Et aussi, je lui ai envoyé une maladie qui est dans son ventre. Actuellement, quand il va à la selle, il a les problèmes. Comment tu envoies la maladie dans son ventre? C'est une boule, des boules. Et j'ai envoyé, c'est comme un nid. Voilà. Comment tu lances ça? Bon, vous voyez tout ça, vous voulez qu'on laisse les sorciers. Tu sais même pas pourquoi. Attends. Quand une personne ne parle pas d'un sorcier, de sorcellerie dans une église, mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme une nation qui ne met pas l'accent sur la sécurité. Vous bâtissez une nation, il n'y a pas le ministère de la sécurité. Mais c'est fini, c'est la catastrophe. C'est vrai, vous prêchez, vous enseignez, mais et le sujet de la sorcellerie. Il ne faut pas que ça soit tabou. Au contraire, vous prenez un sorcier, vous le mettez dans le bureau. Moi, si un sorcier dans une à l'église, je l'annonce, je l'élève publiquement. Je le dénonce. La Bible n'a pas de cajoler la sorcellerie, la Bible de dénoncer la sorcellerie. Parce que je ne suis pas du côté du diable. Donc je dénonce ces pratiques. Ah non, ta maman va te manger, ton papa va te manger. Et puis vous ne faites rien. Vous laissez les gens dans une psychose, ils ont peur. C'est dangereux. Oui, monsieur. Et c'est comme deux œufs que j'ai parlé là-dessus. Ah, tu as parlé sur deux œufs. Oui, c'est et là que j'ai lancé. Tu as lancé. Oui, oui. Où est son père? Il est là? Oui. Ah oui, il vient d'arriver? Oui, il vient d'être la grand-mère. C'est parti chez la grand-mère. Ah, celle qui l'a niché. Oh, il l'a amené tout à l'heure. Eh, dis quoi? Ah, il s'en est demandé là, il dit que... Elle ne sait pas qu'il est là. Ah... T'es demain, on fait le procès. Non. C'est lui là, il dit qu'il t'a laissé des choses dans le ventre. Pour pas tout toilette dans les problèmes. Oui, c'est ça. J'étais là à l'hôpital, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Il a mis la mauvaise haleine en moi, tout ça. Tu as fait comment? C'est ces mêmes paroles que j'ai prononcées sur lui. On le sent les mauvaises odeurs sur lui. Là, j'ai pris avant le fuit. Parce que j'ai des orchestres, quoi. Ouais. Des guitares, tout ça. Ouais. Donc quand il veut causer avec les clients, les gens fuient. Ils attrapent l'un des, tout ça. C'est dans l'hôpital, je ne comprends pas. Et c'est toi qui as fait ça? La grande mère est venue. Appelle-moi la grande mère. Ah non, c'est ici un Cameroun. Nous, c'est comme ça. Elle a son camp. Mamie, ça va? Ok, va t'asseoir. J'ai posé la question, ça. Ça va? Ouais. Tu es malade, hein? Tu es enflé. Tu t'es moqué de Dieu quand. Ouais, ça. Tu veux quoi?
Ça, ça, il va quand que il dit ça. Tu as tué combien de personnes? Hein? Non, 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 viens d'abord, je vais poser la question. Mamie. Ayoka. Professeur Grasso. Viens. Et yo. Ok. Tu la connais? C'est celle-là que tu as donné la sorcellerie. Elle t'a donné la sorcellerie. C'était. Celle-là. C'était. Comment elle a fait? Eh. J'ai toujours la même chose. Tout le monde. Des sorciers. C'est elle qui t'a donné la sorcellerie. Comment elle t'a donné? Étant tout petit. Étant tout petit. Elle t'a donné à manger. Elle m'a donné à manger avec sa collègue qui s'appelle Pubel. Mm-hmm. Un plein midi. Un plein midi. Oui. La viens, 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 ton papa. Cette femme, ça peut plus la préparer de la nourriture avec la viande de rat. Ça, ça a acheté. Mon père, quand chaque midi, nous donne à manger et il va au champ. Mais ce jour-là, elle nous a bien dit elle va voilà, nous donner un bon manger. Voilà. Comme ça, vous avez bien mangé. C'est là que ça a commencé. Voilà, donc voici l'histoire. Voilà. On va la délivrer. Sinon elle-même là, quand il la voit comme si elle est sorcière. Bon, il l'a délivré. Hé, mamie, je te délivre. Ah, je suis prophète, on ne peut pas faire. Je te mets à terre tout de suite. Ah. Faut pas faire, tu as vomi ça, tu as tourné. Faut pas qu'on va arriver là-bas. Je vais te sauver. Comme pour. Une nommée. Ah, il y a quelque chose à dire. Ouais. Actuellement, où je suis en train de parler. Il y a son fils même. Eh, tiens, il faut laisser ce côté-là. Moi, il voit plus clair que toi. Va t'asseoir. Tu vas pas, me venir me guider. Tu as envie. Faut laisser ça. C'est sorcellerie, elle est enlevée. Il y a fille, j'attends. Laisse ça là. Ce côté-là, laisse. Nous êtes à l'état-major de la brigade anti-sorcier. Donc, on maîtrise la situation. Ça va? Viens de là-dedans. Viens de qui? Ou bien c'est viande, tout le monde mange. Il est prophétique que celui qui veut manger vos viandes, qu'il tombe au nom de Jésus. Amen. Il nous régale mal la nuit, que son nez soit crevé. Amen. Les gens doivent nous les regarder comme ça, là, que Dieu crève. Vos sorciers seront tous enflés comme ça. Tous ceux qui vous embêtent, que la mort lève, chute. Bon, chez nous, on dit comment Banazali, l'affaire est finie. Tiens, Dieu t'a frappé maintenant. Tu veux quoi? Amen. Demande-lui avec quoi? C'est ce qu'il doit faire à ta maman. Allez-y, il y a le ministre du quartier. Fais une petite commande. Préparer les choses pour l'accompagner en Mauritanie. Sinon, le visa, là, il y a ça. Elle a visa. Hein? Elle a envoyé beaucoup. Tu as envoyé combien là-bas? En bas, là. Tu as envoyé combien? Il faut envoyer là-bas. Tu as combien? Tu as mangé combien? 3 millions. 15 millions. Combien? 10. Tu as 11e. Ah, pardon. J'ai envoyé les gens là-bas, tu ne veux pas partir. Tu as peur, faut demander, elle a peur de mourir. Pourquoi mon goût? Ah, puis tu envoies les gens là-bas. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Ben, que Dieu bénisse. Amen. Voilà, juste de passage, je pars tout à l'heure à Zego. On a un grand programme à Zego. Demain, le programme commence à 15h. Nous allons démarrer un programme de réception à 15h. Normalement, je ne devais pas être là aujourd'hui. Depuis, je devais être à Zego. Comme je disais, je suis en train de préparer mon voyage. Il fallait chercher les papyrasses, tout ça, mettre à jour. Très bientôt pour l'Europe. Voilà, je viens pour matraquer vos sorciers. Chacun homme de Dieu a son onction.
Moi, il m'a au village là-bas, on dit là-bas, il y a sorcier Zego. Non, les poussus, hein. Ne sont pas les gens qui restent en ville. Joseph est invité dans le village. Ils sont là-bas, ils sont en train de babader. Le maréchal va venir piéger le village. Ils vont tous tomber dedans, vont mourir. Quand je rentre dans un village, je mets consécration, sorcier tombe. Mais voilà, on se tient debout. Que la main de Dieu soit sur vous.